Nora Ivante, candidat retenu par les membres du jury dans le top 12 pour le second tour du concours du jeune présentateur télé organisé par la chaîne de télévision Canal 2 pour la 8e édition, nous fait vivre dans un récit sensationnel l'impact de cette compétition dans son quotidien. Après avoir fini ma deuxième séance de formation hier avec le coach Joyce Fotso, j'ai sans difficulté pris un taxi pour le quartier aéroport où je réside avec ma maman. Cette dernière, impatiente et anxieuse, m'a demandé de le ressenti pour cette deuxième séance. Cette attitude de ma maman m'a rappelé que l'examen du baccalauréat que j'avais fait il y a déjà 6 ans. Dernier moment où je l'ai senti aussi anxieuse. À 20h30, nous avons pris le repas en famille en regardant le journal. Encore cette dernière a partagé le rêve de me voir présenter le journal, faisant comme si le présentateur, ce serait moi, un de ces 4. Autrefois, je me serais endormi juste après le journal, mais cette fois, je suis resté plus longtemps à cause des difficultés à trouver le sommeil, nous relate ce jeune candidat. En un mot comme en plusieurs, il ressort clairement que ce jeune candidat, comme les 11 autres en liste, met toutes les armes de son côté et vit désormais dans l'inquiétude dictée par l'attente des verdicts des grands concours tels que celui que nous attendons. Nous souhaitons juste beaucoup de courage à ce candidat pour la suite et le fair play, quel que soit le résultat final. C'était Laurent Ivante pour Canal 2 International, depuis l'aéroport. The date is August 6, 2019, a Tuesday at exactly 5 p.m. that began with hope. Yes, the hope of passing through every obstacle. We had just ended our second training session for the Young Presenter Contest at Canal 2 International with Joyce Fotso, our mentor. I was off to reach home early enough so as not to miss any television program. After several attempts of getting a motorcycle, paired with the hunger I felt, alas, I was done with the first step, that of being driven home. Getting through the first step, that was being driven home, getting through Tegal and finally reaching home, my neighbor welcoming me with a questionable smile, the type that portrayed all is not well. Indeed, it was the beginning of darkness till dawn. Light no daya, Hadiza lamented as I searched for my keys in the bag. But I see everyone having electricity in the neighborhood, except for our compound. Finding solutions to the blackout was my priority as I tried to contact one of the two technicians. Beranger finally answers present and later undisclosed. The problem is not having power in your compound. It's not from the meter, but rather from the electric pole. And since it is past 5 p.m., there is no one that can climb on the pole and repair. Just getting that statement made me understand it is finished. I hurriedly took a bath, did my assignment with the help of a rechargeable lamp after applying an anti-mosquito repellent. A smile once again gleamed from my face as I enjoyed my meal, though in the dark. After all hope is not lost, as I played some games on the phone and off to bed at 9:30 p.m. À la fin de la deuxième journée de formation après les castings du concours du jeune présentateur télé, Adam, l'un des candidats, prit un taxi pour se rendre à la maison des jeunes et de culture de Nubel pour une séance de training de mannequin. Il y reçoit régulièrement des cours de défilé de mode entre 17h et 19h, heure à Douala, au Cameroun. Les trainings se déroulent dans de bonnes conditions, jusqu'au moment où une nouvelle viendra leur mettre plus de pression. Leur formateur, de son nom d'artiste Otto Karl Lagerfeld, les informe du casting de mannequin qui se tiendra en septembre pour le grand défilé de mode de l'annuel show. Un événement culturel organisé par Grégoire Piwole. Adam, figurant parmi les meilleurs, sait que son équipe aura plus que besoin de lui. Après les trainings, il sera à la maison et retrouve sa grand-mère et son cousin plongés dans une lutte verbale acharnée. Ne voulant pas contrarier sa grand-mère ou alors vexer son cousin, il décide dans un premier temps de se ranger du côté de personne. C'est avec beaucoup de réflexion
qu'il décida par la suite de se ranger du côté de sa grand-mère. Il dit « Si une mère est le berceau de l'humanité, combien de fois une grand-mère ? Certainement le berceau de tout l'univers. » Après cela, Adam dîna et vit le journal du 19h50, une édition qu'il ne manque jamais sur Canal 2 International, présentée par Michael Ticchio. Puis, il s'endormit avec ses derniers mots en tête. La nuit est faite pour porter conseil. Merci. Akwa Douala. Il est 17h. Le soleil jette ses derniers rayons sur la ville. C'est l'heure pour les candidats de la saison 8 du concours du jeune présentateur de reprendre le chemin de leur domicile. Parmi eux, Cédric, décontracté mais un peu anxieux. Comme un seul homme, les candidats se retrouvent devant le bâtiment abritant les locaux de la chaîne. Il faut tout débriefer, tout passer en revue. L'incontournable de la discussion, bien sûr, c'est le travail qui leur a été assigné. Faire un reportage de leur fin de journée. Tout le monde se sépare avec le sourire aux lèvres, mais la boule au ventre. Pour casser avec la routine, Cédric décide de faire un bout de chemin à pied, histoire de profiter de la dernière brise du soir qui, il l'espère, lui remettra les idées en place. Le chemin est long qui le sépare de son rucoloco natal. Quelques mètres plus loin, le jeune homme parvient à trouver un taxi. À peine le temps d'un clin d'œil et le voilà à destination. À peine a-t-il franchi le portail de son domicile que les questions fusent de toutes parts. La première de sa mère. Elle tient à savoir comment était sa journée. Autour d'un bon plat de héros, il la lui relate en n'omettant aucun détail, de temps en temps interrompu par les blagues de son frère. C'est le générique du 19h50 sur Canal 2 qui le rappelle à l'ordre. Armé d'un stylo, d'une feuille de papier et bien sûr d'une télécommande, il passe d'une chaîne à l'autre. Il faut ratisser large pour tirer son épingle du jeu. Cet exercice terminé, c'est toujours armé d'une feuille de papier et d'un crayon cette fois-là, que le jeune homme va tenter de donner corps à ses idées et de mener à bien la tâche qui lui a été assignée. Exténué, il est un peu plus de 21h30 lorsque ce dernier s'endort sur une feuille noircie par les écritures, en rêvant certainement de ce que sera sa journée demain. C'est un mardi 6 août 2019. Il est 17h précise à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il vient à peine de finir sa deuxième séance de coaching sur le plateau de télévision de la chaîne la plus proche de nous, Canal 2 International. C'est l'heure de rentrer chez soi. Il regagne tout doucement la porte du dehors, quand subitement, dans les coulisses, il a le réflexe de retirer son téléphone portable de son sac. Et là, il s'aperçoit qu'il a eu un appel à l'absence. Celui de qui ? Celui de sa sœur. Immédiatement, il la recontacte pour en savoir un peu plus sur le sujet et le but de cet appel. Arrivé au rez-de-chaussée, et croise là ses camarades, ceux-là qui, comme lui, se sont inscrits au concours du jeune présentateur télé. Tout à coup, il y eut un appel d'un de ses camarades, Adam, c'est son nom, qui leur demande, sous consigne de Dieu, le présentateur de la dite émission, les jeunes présentateurs télé, d'attendre. Rendez-vous qui, malheureusement, sera annulé pour des raisons qu'aujourd'hui on ignore. C'est alors que deux de ses camarades et lui se dirigent vers le carrefour où chacun prit sa route. À la maison, il fut servi d'une bonne sauce d'arachide pleine d'obstacles qu'il mangeait avec appétit. À sa montre, à cet instant-là, il est 18h30 lorsqu'il quitta la maison pour l'hôtel des Roses à Bali. Où il rejoint son meilleur ami avec qui il passe le reste de la soirée à faire des tours, ruelle par ruelle, en contemplant maison, hôtel, voiture de luxe, snack bar, en s'offrant ainsi un spectacle de filles de rue vulgairement appelées prostituées. La nuit tombée, il est 21h à sa montre lorsqu'il prit un taxi pour la maison, au grand fur sa surprise de voir un chauffeur, aussi bien veux-tu. De retour à la maison, il prit sa douche, regagne son lit, fit une prière, pensant à cette incroyable journée. Petit à petit, en fermant les yeux, il soupire en se posant en esprit cette question. Comment et de quoi sera faite la journée de demain ? God love, Canal 2 International.
Hormis le trajet lieu d'activité domicile, du soir au matin, plusieurs jeunes de retour à la maison s'adonnent à de multiples tâches et hobbies en ces vacances avant de s'endormir. Cependant, si ces événements sont presque pareils chez tous les jeunes, la coloration quant à elle diffère chez certains. Patel est un jeune, il a 19 ans et il est candidat retenu cette année au concours du jeune présentateur télé. Il est 17h ce mardi, la deuxième séance de coaching de l'émission de télé-réalité Le Jeune Présentateur Télé vient de s'achever. Patel prend la route de son domicile, il n'a pas d'argent pour emprunter un moyen de locomotion et pour cela, il se met au 100 pas. En chemin, il n'est pas toujours évident d'endurer car la distance à Kouabé Panda, lieu de son domicile, est alors très longue. Mais il s'accroche car d'après lui, il n'y a pas d'autre alternative pour le moment. Pour cela, il doit accélérer ses pas et opter pour des raccourcis. En 1h30, il est déjà chez lui. Ici, il n'y a rien à manger. Mais ceci n'est pas la préoccupation immédiate pour le jeune car la fatigue l'absorbe. Il file dans la salle de bain après avoir pris un verre d'eau, question de se désaltérer. Une fois sa toilette faite, il nettoie la maison et s'allonge directement sur le canapé du salon et regarde ses programmes préférés à la télévision. D'abord, le casting du concours auquel il prend part. Ensuite, les débats télévisés, JT du soir, il termine sa soirée par une émission d'interview, regardée cette fois en compagnie de ses sœurs et de sa mère, revenue du boulot avec un dîner de fortune qu'il ingurgite avant d'aller dormir. Il est alors 22h. En tout, 8 heures de sommeil, un repos bien mérité pour le garçon qui fera aussitôt place à une autre aventure encore cette difficile, mais plutôt plaisante pour le passionné de l'animation et du journalisme qui compte réaliser son rêve cette année grâce à Dieu et à votre soutien. Il est 17h sur le plateau de Canal 2 International lorsque la belle et alliciante Joyce, substituée en professeur pour l'occasion, marque la fin de la journée masterclass du concours du jeune présentateur télé auquel participe cette année Patrick Bilon. Juste après avoir pris connaissance du devoir qui leur a été donné, de par son originalité, a eu le mérite de lui arracher le sourire, un très grand d'ailleurs. Il s'est donc dirigé vers la sortie car, contrairement à l'habitude, Joe Matrix n'a pas eu besoin d'eux à la sortie du plateau. Suivons en immersion le récit de Patrick. Je me retrouve donc libre et dépourvu de toute pression, si ce n'est celle de rentrer ou de rendre visite à une mannequin amie en séjour au pays. Logé dans nos hôtels de la place, en sa compagnie, on a l'occasion d'échanger autour d'un verre et bien sûr d'autres amis parmi lesquels ma petite sœur nous rejoignent. La simple visite prend une tournure plus ambiante. Le décor au bord de la piscine, les allées et venues des serveurs sur notre table donnent un aspect festif à ce moment chaleureux. Ne voyant pas le temps passer, je me rappelle de part une alarme programmée sur mon téléphone en très grand fan de foot que je me devais de voir un match de l'Ajax Amsterdam, de Antwerp bien sûr, face à l'équipe grecque du PAOK Salonique comptant pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Mal m'en a pris car sur le chemin du retour, bien assis dans un taxi, je fais face à de violents embouteillages sur la route côté nord de la ville. L'attente se fait longue, les klaxons, ci et là, valsent entre voiture et moto, tel un orchestre musical. Après pratiquement 2 heures de temps, pour une destination censée prendre une dizaine de minutes, j'ouvre ma porte en me précipitant vers la télévision. Malheureusement, je ne peux me contenter que du résumé du match qui s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Les embouteillages ont eu raison de moi. Tout ce qui me reste à faire, c'est de prendre mon bain, faire ma prière et m'endormir après une journée aux péripéties diverses. Tout en espérant que le lendemain sera meilleur, je vous souhaite au moment où je vous parle de passer une très bonne nuit. Merci. Le mardi 6 août 2019 marquait la deuxième journée de formation des jeunes présentateurs télé dans les locaux de Canal 2 International à Douala au Cameroun. Après une longue et studieuse journée de formation, à peine le temps d'échanger avec mes camarades et hop dans le taxi, direction la maison. Tout au long du chemin, le trafic semblait interminable. La circulation était vraiment dense, des voitures alignées à perte de vue. Et comme si cela ne suffisait pas, mon estomac commençait déjà à siffler la fin de la récréation. En d'autres termes, j'avais faim. Une fois arrivé à la maison, le bain est pris, le repas ingurgité, le travail à faire donné par notre coach, Madame Joyce Fosso, est rédigé
il est l'heure de s'abandonner entre les bras de Morphée. Sili Kidikoumé Manuela, depuis la capitale économique pour le compte de Canal 2 International. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain. C'est sur ces mots que s'est achevée la séance de travail entre les membres du jury et les candidats dans le cadre du concours des jeunes présentateurs télé. Mais la journée suit son cours pour Monsieur Trésor. Étant passionné de musique et compte tenu des embouteillages, le jeune ambitieux décide d'aller à pied. Malgré la distance qui n'est pas très évidente entre le siège de Canal 2 et son domicile. C'est donc au rythme des sonorités du terroir que ses pas sont lancés dans ce lent mais distrayant parcours avec le bruit des engins, les commentaires de la rue. Il retrouve son essence même, car c'est là qu'il a grandi. Une fois de retour à la maison, il reçoit la visite de sa bande d'amis. Commentaires s'enchaînent pendant plus d'une heure. Dès le départ, il règne une toute autre ambiance, calme et paix. Après une douche et un repos, il se met à cogiter sur son exercice du jour. N'ayant pas trop d'idées, le jeune essaye donc de regarder le journal et les émissions, espérant y trouver l'inspiration nécessaire. Il rédige quand même quelque chose, aucune idée si cela plaira au jury. Trésor ensuite se propose une heure de lecture jusqu'à ce que le sommeil ait raison de lui. Elle aura été belle cette journée. Jeune compétitrice de la 8e édition du concours de jeunes présentateurs télé, Marie-Inès cumule trois fonctions depuis lundi dernier. Ses journées, comme ses soirées, sont chargées, remplies des activités aussi diverses que variées. J'ai en effet le cas ce mardi, 6 août, où elle quitte les studios de Canal 2 International dans les encarbures de disserteurs. Silencieuse et discrète, elle arpente les rues du quartier Aqua à la recherche d'un moyen de transport qui la conduit jusqu'à son domicile. C'est derrière un enjeu à 2 euros qu'elle trouve son compte. La question de savoir pourquoi un tel choix, elle nous fait savoir sa nécessité de vite arriver tout en évitant les embouteillages. Il est pratiquement 18h lorsqu'elle arrive chez elle. Rapidement, elle troque sa casquette de présentatrice télé en herbe à celle de mère et ménagère. La priorité pour elle, c'est la petite du seul Emmanuel. La préparer pour la nuit, c'est essentiellement son bain, sa nutrition, un petit divertissement et elle repose enfin dans les bras de Morphée. Mère Inès peut s'intéresser aux autres membres de la famille. 22h, elle se dirige dans la salle à eau où elle prend son bain, mais ce n'est pas pour dormir. Elle doit se livrer à une seconde activité, lire, écrire, entourée d'un tas de livres et une machine. Assise en même le sol, elle devient étudiante en recherche. Son mémoire doit être prêt. Son mémoire de fin de master 2 doit être prêt pour octobre. Minuit près, elle doit clôturer sa soirée par l'exercice donné par Madame George Foto. C'est ainsi que Mère Inès construit une vie académique, familiale et professionnelle. Caroline Cynthia is her name and she is one of the contestants of the Canal 2 International Program Concours du Jeune Présentateur Télé 8th edition and she has accepted to be followed by our reporters. We are at the end of the second day of the coaching that started on Monday 5th August and after having left the studio she goes in front of the Soka building where she gets a taxi for her home at Makepe. On getting home she rapidly eats and starts watching a TV program. Then, oh, an assignment she remembers she has gotten from her coach Joy Foto during the day. She focuses as much as possible on the different activities propounded and the advices given by the coach. Caroline makes us to understand that the assignment given on this day is not an easy task, but tries as much as possible to do it anyway. She equally tells us that she will try to put to practice the word of advice given by Joyce. She dreams to go as far as a contest may take her to and equally wishes good luck to her 11 contestants. This is all the evil we could equally wish her good luck, Caroline. This was brought to you by Calixto Calixia for Canal 2 English. Il est 16h58 minutes. C'est la fin du coaching avec Madame Joyce Foto. Les candidats au concours de jeunes présentateurs d'un temps amical se séparent. Le rendez-vous est pris pour demain. Pour moi, pas question de quitter aussitôt les couloirs de Canal 2 International.
le journaliste Junior Hussein et l'animateur Dexter partagent leur expérience avec moi. Quelques précieuses minutes suffiront pour clore cet échange important, couronné par des photos. Étendu sur le canapé en cuir disposé à la réception, Joyce distille une humeur relaxative dans son émission « C'est comment ?» et à chaque coup je réponds « On est là ». Deux heures plus tard, bien que nouveau dans la ville de Douala, je décide d'aller à Deido à la marche, guidé par les passants avec lesquels j'échange sur les embouteillages qui retiennent mon attention. D'un timbre plutôt décousu et conciliant, ils esquissent des solutions face à ces bouchons qui nous font aller à pas de tortue. Une heure plus tard, je suis à la maison. Accueil chaleureux, mais bien entendu, criblé de questions. Quoi de plus esquis, à ce moment précis, qu'une douche froide? Ensuite, j'ai un creux, de tour au restaurant du coin. Suffisamment goinfré, un moment digeste s'impose. Je regarde Parole d'homme à la télé. Finalement, il est déjà minuit à ma montre. En deux heures, j'ai terminé mon exercice du jour. Épuisé, sur l'oreiller, je ferai le bilan de la journée. Au finish, je m'endors en pensant déjà à demain. Bonjour mes chers amis. Vous pouvez me rappeler déjà les noms pour qu'on continue. Rappelez-moi les noms. Mafo Derrick. Oui. Kessick Wilfred Kevin. Pardon? Kessick Wilfred Kevin. Tessi. Kessick K2SK. Ok, ok. C'est juste pour me retrouver. Oui, et vous? Moi, c'est Kadi Gilles Florent. Voilà. Bon, moi, c'est Serge Tatimou. Certains sûrement ne vous connaissent pas physiquement. Ils vont seulement connaître le nom dans le synthé. À Canal 2, je fais réalisation caméra particulièrement. Caméraman. Et on est ici dans le cadre du concours de jeunes caméramans. Sauf si je me trompe. C'est le cas pour tout le monde, non? Voilà. Parce qu'on ne sait jamais, un présentateur peut se retrouver ici. Bon, voilà, on dit, on est là pour le concours de jeunes caméramans. Et vous savez, vous avez les clauses du concours. Parmi vous, on n'en retiendra malheureusement qu'un seul. Et c'est celui-là qui aura le plus prouvé, celui qui aura le plus démontré l'envie. Et ça, ça ne suffit pas, il faut aussi le savoir-faire qui va avec. Et maintenant, au terme, celui qui sera retenu, bien sûr, va décrocher un stage de 6 mois au sein de l'équipe de Canal 2. Au terme de ce stage, si vous êtes encore plus chanceux, vous serez retenu définitivement. Ça, c'est le cas de plusieurs. Vous allez voir forcément avec beaucoup plus de présentateurs, puisque quelques années avant, il n'y avait pas le jeune caméraman. Vous avez constaté avec sûrement Thierry Carole, Jules Trésor, et Steve et bien d'autres qui ont été retenus et qui sont entrés ici par la même porte que vous. Donc, vivement que le meilleur entre vous gagne. Apparemment, il y a un d'entre vous qui est indisponible. Ça, c'est ce qu'on m'a rapporté. J'espère qu'il va nous rattraper et qu'il aura également ses chances. Donc aujourd'hui, vous avez une caméra au centre devant vous. Aujourd'hui, nous allons faire la prise en main de la caméra parce qu'on ne peut pas continuer à vous parler de jeunes caméramans et tout ce qui va avec sans vous présenter au moins une caméra et toute la démarche qu'il faut faire pour la mise en route d'une caméra. Donc il est question aujourd'hui de connaître une caméra. Bon, voilà. Qui peut me dire quelle marque de caméra nous avons là? Vous pouvez vous avancer. Bon, je crois que je vais venir vers vous pour que ça se passe très bien. Bon. Voilà. Ce qu'on va faire, tu peux nous lever le trépied à cette hauteur là.
J'aurais dû commencer par le banc, n'est-ce pas? Voilà, tu peux lever encore un peu. Légèrement. C'est bon, c'est bon. Attends, voilà, ça va. Mettez-vous en colonne juste pour ne pas gêner là et qu'en face on est. Comme je disais, aujourd'hui on va faire la prise en main de cette caméra. Juste pour que on ait. Vous pouvez vous placer ainsi à tous les trois pour que tout le monde voit, n'est-ce pas? Bon, ce qu'on va faire ici, c'est ça. Avancer un peu. Il était question, j'ai demandé qui peut me dire quelle marque de caméra nous avons là. Quel modèle, quelle marque. Parlez au micro. On a la marque Panasonic. Oui, et le modèle. Qu'est-ce qu'on fait pour connaître le modèle d'une caméra? En fait, on regarde, forcément, il y aura une marque dessus. Et pourquoi tu n'avances pas? Le modèle de cette caméra, c'est? Non, c'est pas le modèle. Quand on regarde une caméra, forcément, il y a toujours des enseignes. D'accord? Il y a toujours des enseignes qui nous disent, qui nous donnent tout sur la caméra. Ici, nous avons une Panasonic AGAC160AEN. Ça, c'est la série jusqu'à la série. D'accord? Bon, ça, c'est un équivalent de la P2 que vous devez sûrement connaître pour ceux qui ont déjà eu à la toucher. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons sur la prise en main de cette caméra. Nous commençons d'abord par l'arrière de cette caméra. À l'arrière, nous avons tout d'abord ce qu'il faut alimenter avec. Ça, c'est une batterie. D'accord? Il faut toujours commencer par une batterie. On vérifie toujours qu'elle est chargée chaque fois qu'on se déplace. Quand on veut partir d'un point A pour un point B pour tourner, il faut se rassurer qu'on a une batterie chargée. Ça, c'est le BABA. Une fois qu'on a notre batterie, vous devez constater l'encoche qui va recevoir la batterie. Ça, c'est une fois que vous mettez au fond, vous poussez, vous allez entendre le bruit qui fait tap. La batterie est bloquée. Pour l'enlever, il y a un bouton là. Remarquez déjà que tout sur une caméra, le plus souvent, c'est en anglais. J'espère que ça ne pose aucun problème pour vous. Évidemment. Ça ne pose aucun problème. Aucun problème. Ok. Donc vous avez le bouton push. On push dessus et on pousse la batterie vers le haut. Elle est sortie. Et pour remettre, c'est le même système de tout à l'heure. À côté de ça, nous avons un point rouge sur quel que soit le modèle de votre caméra. Quand vous voyez le point rouge, sachez que c'est le REC. Bon, maintenant, c'est à ce niveau ici, nous avons ON, OFF également à ce niveau. Donc, pour ce modèle-ci, ça s'allume là. Vous avez un petit taquet blanc. Vous le voyez? Ce taquet blanc, vous l'appuyez dessus et puis vous faites un quart de tour. Là, le signal rouge veut dire que ça a démarré. Et pour éteindre, c'est le même système. Vous appuyez sur le blanc et le quart de tour retourne. Et là, on a notre appareil éteint. À côté de ça, là, on a notre appareil qui est allumé. Vous avez vu comment allumer une caméra. Maintenant, pour qu'on continue avec cette façade-ci. Une fois qu'on a allumé une caméra, il faut bien l'enregistrer. Ce modèle-ci prend les puces SD. Vous avez vu. Et nous avons deux slots. Donc ça peut prendre simultanément deux puces. Ça ne veut pas dire que ça enregistre dans les deux puces. Si vous mettez deux puces, ça enregistre dans une puce. Quand elle est pleine, elle bascule automatiquement. Mais en même temps, vous pouvez mettre deux puces et choisir quelle puce va supporter l'enregistrement. Ça se passe ici.
si vous avez les deux puces, vous appuyez, ça c'est slot select. C'est pour choisir quelle puce va faire l'enregistrement. Si vous choisissez pas, ça enregistre automatiquement dans la première puce. Quand la première puce est pleine, ça bascule dans la puce 2. Et si vous avez choisi la puce 2, quand la puce 2 est pleine, ça rentre dans la puce 1, continue l'enregistrement. Ça, c'est sans interruption, ça, c'est automatique. Maintenant, pour continuer avec ici, nous avons cette sortie. Là, c'était la puce, mais ici, à côté, juste sur cette nappe-là, vous avez un panoplie de sorties. Cette sortie-ci, USB 2.0, nous avons connu nos anciens téléphones, non? Oui. C'était cette sortie-ci. Voilà, on a USB 2.0. Ce qui fait que ça a été remplacé dans nos nouveaux téléphones par des Android. Voilà, ça c'est probablement, vous pouvez la connecter via une sortie USB sur votre ordinateur pour des captures éventuelles. Juste en bas, nous avons la sortie HDMI. Nous avons HDMI et DV. Bon, entre les deux, le plus utilisé, le plus souvent, c'est le HDMI. Le DV est un peu compliqué pour notre technologie, n'est-ce pas? Mais sinon, c'est courant. Ce câble se trouve facilement dans les boutiques de la côté. Bon, plus haut, nous avons une sortie pour casque. Chaque cameraman, le casque, c'est un outil de travail pour les cameramans aussi. À tout moment, vous devez vérifier le son qui entre dans votre appareil. Parce que ça ne sert à rien de faire un enregistrement et qu'après, on n'a pas le son. Dans ce cas, vous avez raté votre mission. À tout moment, en permanence, vous devez avoir un casque pour écouter ce qui entre dans votre appareil. Juste en bas, nous avons ces entrées ici. Là, c'est plutôt des entrées. Cam remote. Cam remote ici, ce sont des entrées pour contrôler à distance. Là, on met un module où vous pouvez contrôler la lumière, l'iris ou le zoom. Ça veut dire que ces deux entrées jouent sur les deux bagues de l'entrée, de l'objectif, le zoom et l'iris. Et plus bas, nous avons la sortie la plus utilisée. C'est une sortie SDI. Elle est juste à deux pôles SDI, mais ça embarque à la fois le son et l'image en numérique et en haute définition. Mais à côté, justement, nous avons aussi des sorties analogiques. Oui. Pour aller au micro. En fait, je voulais demander cette sortie. La sortie SDI. Oui. SDI. Mm-hmm. Il est la sortie HDMI. Mm-hmm. Vu que le HDMI, lui également, il porte le son et l'image, vidéo, oui. La différence entre les deux, pourquoi est-ce que le plus souvent, c'est le SDI qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Vous allez remarquer, la sortie HDMI, les câbles HDMI ont plus de fibres que la sortie SDI. Elle est plus maniable parce que vous avez un fil, vous pouvez faire 100 mètres de SDI. Vous avez déjà vu 100 mètres de HDMI? C'est très rare. Le SDI, c'est un câble coaxial. Voilà, exactement. C'est maniable et c'est aisé de le trouver dans le commerce du quartier. D'accord? Donc, ça, c'est juste un problème de maniabilité. Sinon, les deux, on a des mélangeurs, puisque ça travaille aussi en régie, on a les mélangeurs qui ont des entrées HDMI. Si vous avez des courtes portées, vous pouvez travailler en HDMI. Mais les longues portées, c'est conseillé le SDI. Parce que c'est facile de travailler le câble. Voilà. Je disais donc, nous avons à côté des sorties analogiques. Vous connaissez le code de couleur. Le jaune, c'est pour la vidéo. Rouge et blanc, c'est pour les deux sons. Right and left. Voilà. Maintenant, juste ici, nous avons les entrées sons. C'est par là que les sons, ces entrées, c'est en... Comment on appelle ce genre d'entrée? XLR. Voilà. Nous avons XLR. Parce que ici, par contre, ça, c'est le mini jack. Nous, on a ici le mini jack. Et là, on a les XLR. Voilà. Donc, vous pouvez choisir soit l'entrée 1, soit l'entrée 2.
Bon, on y reviendra quand il faudra moduler le son. On avance de ce côté. On a vu le choix des cartes ici. Maintenant, on peut revenir de ce côté. On a un panoplie de boutons. On va essayer d'aller de l'arrière vers l'avant pour vous présenter bouton par bouton à quoi sert telle ou telle touche. On peut aller jusqu'ici. Vous avez des questions, posez-les avant qu'on avance. Ça va? Jusqu'ici, ça va. Ok. Bon, de ce côté, si on peut commencer par l'arrière, nous avons un petit rotor ici. Vous avez vu, c'est écrit Senfil. Ça, c'est en anglais. Bon, là, vous pouvez choisir. Si je peux vous expliquer ici, c'est des filtres. Mais ce n'est pas filtre comme celui-ci, par exemple. Ces filtres sont un peu comme chez les monteurs. Les monteurs parlent d'étalonnage. Après votre balance, vous pouvez choisir d'ajouter un peu de couleur ou pas. Bon, là, ça dépend. On fait un petit exemple pour que vous voyez. C'est très minime, mais ça fait toute la différence. Là, par exemple, si vous regardez, si je change de scène, vous voyez comment le ton change. Là, ça joue carrément sur les couleurs. Là, c'est fluo, c'est assez bleuâtre. Ça fait spark, ça fait scène ciné. D'accord? Donc là, ça joue sur le ton que vous voulez donner à votre image. Maintenant, juste à côté ici, nous avons le menu. C'est donc le bouton menu qui déroule tout ce qui est nécessaire pour la compréhension, pour les réglages. D'accord? Mais en dehors du menu, c'est tous ces boutons justement jouent sur le regard de la caméra. Donc, plus il y a de boutons, plus vous n'avez pas besoin d'entrer dans le menu. Vous avez remarqué, beaucoup de caméras pas professionnelles n'ont même pas de boutons. Dès que vous allumez, vous enregistrez, là c'est automatique. Mais là, vous avez une marge, vous avez le choix de ce que vous voulez faire. Quand vous avez assez de boutons, plus vous avez de boutons, mieux c'est. Ça, c'est ma conception à moi. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans le menu pour faire un quelconque réglage. Voilà. Donc, nous avons le bouton menu. Juste à côté, ce bouton exec. Exec, c'est comme exécute. Exécute pourquoi? Parce que là, on va y revenir sur le mode de lecture. Si vous êtes en mode lecture, malheureusement, notre carte, il n'y a encore rien dedans apparemment. Notre carte, on va essayer d'enregistrer quelque chose. Voilà, nous avons une carte. Là, je peux enregistrer quelque chose. Pour arriver au bouton exécute, là, je me mets en mode lecture. En mode lecture, je peux choisir l'opération que je veux faire. Je veux effacer. Là, je sélectionne ce que je veux effacer. Si je clique maintenant sur « Exécute », c'est là où ça me demande si je veux effacer effectivement. Là, je vais « Oui » et c'est là où ça efface. C'est donc à quoi sert voilà. Ce bouton, c'est « Exécute ». «